Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour moi un plaisir de partager avec vous notre ministère, le ministère Restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alors, nous sommes encore là aujourd'hui afin de vous partager ce que le Seigneur nous a confié et nous cesserons de le dire. Notre appel consiste à parler des mystères de Dieu et de nous accentuer sur le royaume de Dieu, sur l'Église, sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et l'un des mystères les plus importants de Jésus-Christ, c'est son Église. L'un des mystères les plus importants de Jésus-Christ, c'est son Église. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et nous disons que nos différents ministères, les ministères que nous connaissons, Assemblée de Dieu, Baptiste, Réveil, UNISO, Foursquare et tous les autres ministères que vous pouvez connaître, n'est-ce pas, ne représentent pas l'épouse de Jésus-Christ, car l'épouse de Jésus-Christ est l'ensemble des croyants dans un lieu précis. Et une nation est un lieu précis. Jésus-Christ a pu dire à ses apôtres en Matthieu 28, le verset 19, « Allez et faites de toutes les nations, de toutes les nations. » Et Jésus-Christ a vu village, Jésus-Christ a vu ville, Jésus-Christ a vu également les nations. Il a simplement dit d'aller faire toutes les nations. Alléluia. Car, comme nous le disons, les nations sont également des serviteurs de Dieu. Les nations sur terre doivent servir Jésus-Christ de Nazareth. Israël est une nation et, comme nous le disons également, Israël est la nation que Dieu a choisie. Pas parce que Dieu aime Israël que toutes les nations au monde, pas parce que Dieu aime les Juifs que tous les êtres humains au monde, mais Dieu les a choisis afin de pouvoir les éduquer comme lui Dieu voudrait non seulement éduquer une nation, mais également éduquer des personnes, des individus. Alléluia. Et il faut comprendre que Dieu a un plan. Il faut comprendre que Dieu a un plan, et Dieu a un plan pour l'humanité. Et le plan de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Le plan de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu. Jésus-Christ qui est la science de Dieu. Jésus-Christ qui est la connaissance de Dieu. La Bible déclare que c'est par lui Jésus que tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans les cieux ont été créés, car il est la substance, l'essence, l'essentiel, et il est la substance avec laquelle Dieu crée, n'est-ce pas, l'univers. C'est par lui, n'est-ce pas, et pour lui que tout a été créé. Alors, le plan de Dieu
va être manifesté en Jésus-Christ. Mais le plan de Dieu, il est global. Le plan de Dieu, il est large. Le plan de Dieu, il est vaste. Le plan de Dieu ne se révèle pas seulement à une seule génération. Le plan de Dieu se révèle à chaque génération, étape par étape, à chaque génération. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, le mystère de l'Église est grand. Et lorsque Paul le dit de la part de Jésus-Christ, Paul ne rentre pas dans les mystères de l'Église qui est grand. Alléluia. Mais nous croyons que le Saint-Esprit, comme le disons, selon les générations, va nous révéler la grandeur et les mystères de l'Église. Jésus-Christ a pu dire également, « Je bâtirai mon Église, je ferai mon Église, et les portes des séjours des morts ne préviendront point contre mon Église. » La puissance de l'ennemi, la puissance de Satan ne préviendront point contre mon Église. Alors, l'Église est l'autorité, l'Église est la puissance, l'Église est la force que Dieu donne, n'est-ce pas, à la terre, je dirais, aux nations, aux hommes, afin de pouvoir faire face aux puissances des ténèbres. Bien, l'Église est la force de Dieu. Lorsque Pierre et Jean étaient en prison, l'Église va se mettre en prière et les écluses, n'est-ce pas, des cieux vont s'ébranler afin que les anges, l'autorité du ciel, puissent descendre afin de les délivrer dans la prison. Alléluia. Oui, bien-aimés, l'Église est la force de Dieu, l'Église est la puissance de Dieu, l'Église est l'autorité que Dieu donne aux hommes, que Dieu donne aux nations, afin que l'Église, n'est-ce pas, puisse avoir l'autorité là où le règne du diable est manifesté. Alléluia. Alors, la dernière chose que nous voulons rappeler concernant l'Église, pour savoir que le plan de Dieu va commencer avec Adam et Ève, un couple. Alléluia. L'histoire de Dieu et des hommes commence par un couple. Alléluia. Et nous allons donc savoir que le ministère de Jésus-Christ en termes de miracles commence dans un lieu où le couple est au centre à un mariage, le mariage de Cana. Alors c'est là que Jésus-Christ va faire pour la première fois un miracle, n'est-ce pas, lorsque sa mère va appeler ses apôtres et lui dit, leur dire de rester et de faire ce que le Seigneur Jésus-Christ leur dira de faire, et leur auparavant dit à Jésus-Christ que le vin manque. Alléluia, et Jésus-Christ fera alors ce miracle de vin. Et également, la première chose qu'il faut savoir, c'est que à la fin de l'Église, Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Jésus-Christ ne serait pas encore sur terre, mais il est dit que les chrétiens sont les saints seront enlevés vers les cieux à la rencontre de Jésus-Christ, que la Bible ici appelle l'époux. Alors l'épouse sera enlevée, l'époux c'est l'Église qui ira à la rencontre de l'époux pour pouvoir s'unir dans les cieux. Et ce sera la fin de l'histoire de l'Église. Non la fin de l'histoire de Dieu, non la fin de l'histoire du royaume de Dieu, mais la fin de l'histoire de l'Église, car l'Église ira, n'est-ce pas, l'Église est l'entité, l'entité, n'est-ce pas, le groupe de ceux, l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ont accepté de marcher selon ses règles, ses principes, ses préceptes. Alors, ceux-là qui auront persévéré dans la foi, qui seront restés fidèles, qui auront demeuré, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu et dans la vie de sanctification qui sied au sein, seront donc au son de la trompette enlevés vers le ciel à la rencontre de l'époux.
Et ce sera alors la fin de l'histoire de l'Église et de Poucard, là où désormais l'époux sera, l'Église sera avec lui. Et à ce moment-là, nous ne parlerons plus de l'Église. Alors l'histoire de Dieu commencera par un couple, Adam et Ève, le centre de l'histoire de Dieu, le mariage à Cana également. Ce sera un moment déterminant dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'histoire de l'humanité. Et ensuite, l'enlèvement de l'Église, l'épouse à la rencontre de l'époux. Alléluia. Du sang de ton agneau,